pourquoi nous choisir comme combattants? Je vous désigne comme combattants parce que je veux. Ok? Vous et votre bande de rebelles, vous allez combattre. En attendant que vos contacts me trouvent ce que je veux. Samba. Ce n'était pas un autre deal. Les deals ici, c'est moi qui les définis. Mais vous êtes libre de faire les allers et retours. Sachez qu'à la fin de ce tournoi, Samba, si vous n'avez pas ce que je vous demande, Samba, je vous abats. Hey boss, je veux faire partie des combattants. Et c'est ce type que je veux dans le ring. Samba. Une deuxième fois? Une deuxième fois, boss. Si un deuxième combat entre ces deux messieurs vous intéresse, je valide. Yes! Samba. Salut. Bonjour, boss. Vous devez continuer votre mission. Vous devez me donner des informations et prendre des photos chaque fois qu'elle se rend à la prison. D'accord, boss. Qu'est-ce que t'as, Camden? Demander un deuxième combat avec le général. Ça démontre toute la rancœur que tu as contre lui. C'est une rancœur que je ne peux dissimuler, Camden. Je meurs d'envie de crever cette ordure. Je comprends. Tu n'es pas le seul à lui en vouloir. Moi aussi, j'ai mes nerfs contre lui. Samba. Katouba! Samba, respect, obéissance absolue. Samba. 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 Tu sais, on se connaît depuis longtemps. Bien avant que je n'atterrisse ici. On était même amis. Vraiment? Et que s'est-il passé? Quand il a été nommé général, chef d'état-major des armées Estra du Kachunga, je suis allé le voir pour qu'il devienne ma couverture dans mon business. J'ai besoin de ta couverture. Mes gars n'arrivent plus à faire couler de la marchandise dans Linga. Si ça continue, je vais droit vers la rune. Tu dois aider ton ami, hein, général.
Un général de division de ma classe qui couvre quelqu'un dans la vente illicite de la drogue, dans le Katsunga. Non, ce n'est pas possible, mon cher. Samba. Sors de mon bureau et ne reviens plus jamais. Je parie qu'il t'a envoyé balader. Il a failli. Il a failli le faire. Mais seulement pour notre amitié et pour le pourcentage que je lui avais promis. Nous avons fini par nous associer. Et ensuite ? Tout se passait bien, comme sur des roulettes. Je lui reversais ses parts. Mais le jour qu'il a fallu qu'il vienne me protéger, il a disparu. Il m'a laissé tomber. Comment ça ? Oh ! Oh ! Voilà, viens ici. Viens ici, je dis. Mais tu m'appelles pourquoi ? Putain, je t'appelle, tu me dis, y'a quoi ? Va te faire foutre ! T'as un problème ? Non. Casse-toi. Barrez-vous, j'ai dit ! Mais il se prend pour qui, celui-là ? Il a débarqué de porte ! T'es le fils du régisseur ou quoi ? Samedi, je te tue, dimanche. On fait tes funérailles lundi. Allez, fous le camp. T'as dit quoi ? J'ai dit... Vas-y, Camden. Explique-moi. On n'a que ça à faire, mon frère, se raconter nos putains de vies de chiennes. J'étais sur le point de livrer au Graceland. La cargaison de ma vie. Je l'ai appelé. Je lui ai donné les infos et tous les détails quant à la transaction. Samba, Samba. Le lendemain, au lieu d'utile, mes hommes et moi avions été surpris par un comité d'accueil, une unité de lutte anti-drogue. Je lui ai passé des coups de fil. Samba. Il n'est jamais intervenu. Et c'est là où j'ai plongé. Samba, Samba. Trafic de drogue aggravé. Et tes hommes ? Pendant l'arrestation, nous avons ouvert le feu pour couvrir notre fuite. La riposte a été nourrie. Samba, Samba. Et j'ai perdu tous mes sommes. Pourquoi tu souris ? Où étaient passés les acheteurs ? Je ne l'ai jamais su. Cette soi-disant cargaison de ta vie, combien devait-elle te rapporter ? Oh. Un sacré pactole. Un gros magot. C'était l'opération de ma vie. J'avais mis 18 mois à la préparer. Et je m'étais dit que si tout se passait bien, je devenais clean. Écoute-moi, mec. Tu ne m'as pas bien capté. Tout ce que tu viens de raconter, c'est bien beau, mais ce que je veux savoir, c'est... combien ça devait te rapporter? Tu veux vraiment le savoir? Ouais. 50 millions.
Non. Non, Mangado. Nous ne devons pas la laisser continuer ainsi. Ne sont pas les gonzesses. Trop, c'est trop. Il faut réagir. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Je sais qu'ils nous ont fait un affront. Et ça, je vous comprends. À compter de maintenant, je vous défends d'intervenir dans quoi que ce soit dans la prison sans que je vous amène l'autre. Est-ce que c'est clair? Compris, boss. Et aussi, sachez une chose. Chaque chose a un temps. Je dis bien, chaque chose a un temps. 50 millions? Ouais. Putain. Wow! Wow! 50 putain de millions! Et tu ne t'es jamais vraiment demandé ce qui s'est passé ce jour-là? Non. Pas vraiment. Pourquoi je me serais demandé quoi que ce soit? Kandem, Kandem. Quand on a la cervelle bourrée de cam, on ne pense vraiment plus à rien. Mais mon avis, je vais te le donner, que tu le veuilles ou non. Tu t'es fait entuber par le général. Ouais, mec. Tu t'es fait entuber par le général. Il t'a baisé, mec. Ah ouais. Je vais lui faire la peau. Je fais la peau à ce morveux. Putain! 50 millions! Ce type est un monstre! Katsunga! Katsunga! Pour ce tournoi, je veux notre champion comme adversaire. Et moi, le cadre du corps approché du général, je n'arrive toujours pas à digérer ce qu'il m'a fait à la cantine. Ce tournoi sera pour nous l'occasion de nous venger dignement. Et je compte sur toi pour garder notre autorité dans ce trou oublié. Car moi, je vais gagner mon combat. T'inquiète, Jojo, on les vaincra. Mais en attendant, nous avons Thiem et Bou à récupérer. Alors, comment prévoyez-vous l'avenir, bande de Judas? Dis que j'ai failli vous prendre dans mon clan. Rectificatif. Tu nous as donné la place, nous te l'avons laissée. Ah oui, ça c'est ce qui s'est passé, non le contraire. Vous croyez être des hommes, n'est-ce pas? Ben ouais. Bientôt, il va falloir que vous prouviez que vous avez des couilles. Si tu fais allusion au tournoi, sache que tu n'es pas le seul à être impatient. Mal à l'aise de mon cul. Nous aussi, nous avons besoin de vous porter les fesses devant vos sujets. C'est toi qui te ferais porter les fesses comme une femmelette. Ouvre-le maintenant. Hé hey! Pas besoin, bandeur. On va le leur prouver sur le ring. Et les gens vont gagner du pognon sur vos couilles de merde. Alors barrez-vous, bande incapable. Au tournoi. Au tournoi, Dieu! T'as dit quoi? J'ai dit au tournoi! Bande de femmes, les au tournoi. Katsunga. 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive? Une fois de plus, tu m'as montré que t'as pas de couilles. C'est pas ça, Sakero. Je perds ma position, j'ai trébuché sur les escaliers. Ferme-la. T'es un homme ou pas? Ça va, Sakero. Nous allons les montrer que c'est mon samedi. Fais gaffe.
Je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui t'arrive? Un Kamdem. Qu'est-ce qui te révolte? C'est toi qui me révolte, connard. C'est toi qui me révolte. Tu croyais que je n'arrête jamais le savoir, hein? Tu croyais garder le secret pour longtemps. Hein? Il s'agit de quoi? Le 10 octobre, au pont de Mabouka, tu m'as fait tomber. Tu m'as roulé. Tu m'as arnaqué. Et tu as fait tuer mes hommes. Avec ton histoire de brigade anti-drogue. Hein? Traître. Traître, laissez-moi. 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 Laissez-moi, laissez-moi. Salut, champion. Salut. Nous voulons récupérer Tchemebou. Vous savez quoi faire pour le récupérer? Justement, nous sommes venus te demander un duel. Et qui veut m'affronter cette fois? Non. Je ne vous saisis pas. Comment ça, nous? Je t'explique, man. Si tu veux garder la nounou, tu devras nous affronter un par un, avec un seul bras, sans le changer. J'avais jamais su que c'est lui qui m'avait arnaqué. Certainement parce que tu lui faisais confiance. J'avais sa parole et je respectais la mienne. Le monde est bourré d'hommes véreux. Tu sais, tout ce pays ici-bas, la preuve, il est là, ici, avec nous. Être ici ne suffit pas, Kamdem. En ce qui me concerne, il doit meurfler et crever de façon tragique. Ouais, parce que c'est ça qu'il mérite. Mon général. On dirait que vous étiez à côté. Vous m'avez paru très pressé au téléphone. Je suis vraiment indigné, colonel. Je suis dépassé parce que je suis abandonné par tout le monde. Même ceux que je n'imaginais pas. Vous ne pouvez pas dire ça, mon général. Ça fait un an que je suis enfermé ici et vous me demandez de ne pas dire ça? Mon général, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il ne pouvait pas vous balancer ici et que le lendemain, je débarque pour vous rendre visite. Ça aurait éveillé des soupçons. Et vous pensez actuellement que ce n'est pas le cas, colonel? Comment ça? De quoi parlez-vous, mon général? Quelqu'un à la division enquête sur vous. Qui ça? Commandant Matané. Je viens pour besoin d'enquête. Une enquête? Contre qui? En fait, je fais une enquête sur le colonel Badjo, l'un des amis de votre mari. Spécialement, l'un de ses complices. Et en quoi puis-je vous aider? En fait, je me demandais si je peux être en possession de quelques documents de votre mari pour qu'ils pourront m'aider à l'incriminer. Je suis sincèrement désolé, mon commandant. Je me trouve là dans l'impossibilité de vous aider. Je n'ai jamais eu accès aux documents de mon mari. Jamais. Le seul document que j'ai partagé avec lui jusqu'ici, c'est mon acte de mariage.
Je suis désolée. J'espère que vous ne lui avez rien dit. Et si c'était le cas, vous ne serez pas ici. Samba, Samba. Alors, mon général, pourquoi m'avez-vous fait venir? Colonel Badjo, vous devez me rendre un service. Samba, Samba. Mon général, ce serait dangereux pour moi de vous rendre service. Vous n'avez pas le choix, colonel Badjo. Soit vous me rendez ce service, soit je vous balance. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que si. Nous avons un accord. Un accord que vous n'avez jamais respecté. Vous n'avez jamais rien fait pour moi. Samba, Samba. Que voulez-vous? Je veux 5 petits millions de francs. Samba. Quoi? 5 millions? 5 millions, j'ai dit. Vous préparez une évasion ou quoi? Si c'est le cas, sachez-le, ça ne marchera pas. Et si les gardiens de prison vous ont promis de vous laisser évader contre ces 5 millions, sachez-le, c'est une arnaque. Car si un seul détenu disparaissait, ils savent ce qui les attend. Samba. Non, ce n'est pas pour préparer une évasion. Samba, Samba. Colonel Badjo, c'est pour avoir la paix dans cette geôle. Même si Diffo venait à mourir, je penserai à lui tous les jours de ma vie. Je dirais même jusqu'à ma mort. Alors sache que ton combat pour m'empêcher de le voir ou pour le faire disparaître de ma vie à jamais est perdu d'avance. J'ai besoin d'un max de blé pour parier sur tous les combats. Poste le fond et fiche-moi le camp. Les habits d'or. Va te faire fou, espèce de malade.